Voilà, appelé, hein. Ça, c'est pour mes fans des États-Unis que j'ai ouvert ce téléphone-là. Appelé, on va discuter rapidement. Donc, je disais qu'il y a un monsieur. Il y a un monsieur qui m'envoie, qui fait une capture où je suce la manque. Il m'envoie et il me demande d'être sérieux. Que quand je suce comme ça, il y a les gens que ça, qui peuvent se désabonner. J'ai dit, mais il y a des gens qui ont des problèmes. J'ai dit, je vois les gens en train de faire le direct ici en fumant la cigarette. Je dis, mais celui-ci, est-ce qu'il ne sait pas qu'en fumant, il se détruit? Je vois les gens en train de boire. Boire. Pas de l'eau, mais l'alcool. Non, n'appelez pas sur ce numéro, appelez ici. N'appelez pas là-bas, je ne vous prends pas là-bas. Il y a un numéro qui est affiché là, appelez ici. Donc coupez, s'il vous plaît, coupez votre appel. N'appelez pas là-bas, appelez, il y a un numéro qui est affiché là. Voilà, appelez, on va bavarder ici. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je serai en spectacle chez la lady. Je crois que c'est ce mois. Le 17 de ce mois. Je serai en spectacle chez elle. Avec Aïe. Demain, je serai en spectacle. Demain, je serai en spectacle au Bauge. Demain, je serai en spectacle au Bauge. Demain. Je serai en spectacle au Bauge. Encore ce monsieur. Non. Allô? Oui, bonsoir Simon. Bonsoir. Oui, la photo qui est dans nos profils WhatsApp, la dame, elle est jolie, hein. C'est mini mignon là. Elle est très mini mignon. On peut parler d'autre chose? Elle a les jolies pieds sur la dame. D'accord, mais je vais vous. Si vous n'avez rien à dire, je vais vous bloquer parce que je vous ai déjà bloqué chez moi là-bas, vous pouvez plus m'appeler. Et je vais vous bloquer encore ici parce que vous n'avez rien à dire. Il y a les gens qui ont des problèmes en France. La France n'est pas toujours le paradis, hein. Quelqu'un appelle. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est Manuel, je suis un grand fan et un admirateur de Nouvelle Orléans. Merci. Okay. Bon, ce soir, j'appelle parce que j'ai fait une petite observation sur la musique de Nouvelle Orléans. Donc, vous l'en faites là. Maintenant, c'est un grand chanteur camerounais. Pourquoi les artistes Marco Sarr, pourquoi ne pas penser à revoir Marcosa, repenser Marcosa, un peu comme les Nigériens font et comment ça se passe à travers le monde. Pourquoi ne pas repenser Marcosa? Parce que nous, on est les grands fans de Marcosa, mais Marcosa est toujours resté comme celui d'avant. Il n'a pas vraiment une vraie réveil. Alors, pourquoi ça? Ok, merci. Moi,
suis pas mieux placé pour répondre à ce genre de questions. On va poser la question au créateur du Makossa, au fondateur ou au patron. Non, c'est ça. Je réponds par quoi? Alors, repose ta question, s'il te plaît. On se marie quand? On se marie quand? Tu veux me poser? Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Non, je cherche. Je cherche le mariage, non. Je cherche le mariage. Oui, allô? Oui, rebonsoir bébé. Rebonsoir. Si tu parles pas, tu peux couper le direct, comme ça on s'appelle en vidéo. Non, mais si tu m'appelles en vidéo, on va pas te voir dans le direct. Oui, mais je veux qu'on discute en tête à tête, en toute intimité. Vous attendez finir le direct? Oui, mais là, vous discutez pas. Surtout que je vois une fille aguicheuse qui vous dit de se marier avec elle, ça me plaît pas. Ah bon? Alors que moi, je peux vous assurer une stabilité, hein. Ah bon? Oui. Moi, je suis stable, moi, je gagne bien ma vie. Oui, mais vous dites souvent que vous voulez quitter le Cameroun, hein. Je veux quitter le Donc moi, je vous Cameroun. offre cette possibilité, cette opportunité. Ah bon? Et vous allez faire comment? Vous venez de me poser ici? Oui, pourquoi pas. Mais moi, par contre, je ne suis pas camerounaise. Vous êtes d'où? Du Togo. Ah, j'ai mon frère qui est au Togo, ça fait combien d'années là? Ça va bientôt faire 16 ans. Hein? Il vit à Lomé là. Ah bon? Oui, mon frère. Hein? Moi, je vis à Melun. Il vit à Oui, Lomé. on peut se dire tout ça Je connais Melun. en toute intimité. Non, moi ça ne me gêne pas. Hein. Moi je cache pas ma vie. Ma vie est Mais vous propre. voyez, sur Facebook, les gens sont un peu spéciaux. Non, mais on ne sait pas qui vous êtes. On sait qu'il y a une femme
qui veut épouser la superstar. C'est pas Vous méchant, voyez, les gens hein? sont... C'est pas méchant. Non, moi je suis l'enfant de Dieu, ils peuvent rien me faire. Ils peuvent rien me faire, je suis l'enfant de Dieu. Puisque je ne tige pas. Nous sommes en Vous avez une direct. copine? Pardon? Vous êtes célibataire ou vous avez une copine J'ai depuis des longtemps? copines. J'ai des. Si je vous dis le contraire, c'est que je ne suis pas sérieux. J'ai des Ah, connaissances. bah dans ces cas-là... J'ai des copines. J'ai des amis. J'ai des Non, mais je vous admiratrices. parle d'une petite amie avec qui vous vivez. Non. D'accord. Mais moi, je suis vraiment sérieuse, hein. Vous savez, j'ai... Si vous êtes sérieuse, vous venez au Cameroun. L'amour n'existe pas, c'est l'épreuve d'amour qui existe. Si Oui, vous... mais il faut que vous m'assuriez que vous soyez sérieux. Pour que Parce soit que moi, vous sérieux, savez, pour que soit j'ai sérieux. des enfants, je peux pas... Vous savez, j'écoute votre musique depuis très longtemps. Je regarde souvent vos directs. Moi Je aussi, vous suis quoi? j'ai des enfants à Paris, hein. Oui, pareil. Voilà, j'ai des enfants, des très beaux enfants d'ailleurs, la famille de Jésus. Et vous êtes encore avec la maman ou... Bon, moi voici au Cameroun, elle est à Paris. Bon, mais ça, si vous voulez m'épouser, pourquoi pas je me marie avec vous? Mais vous êtes fidèle? Non, je suis pas fidèle. Ah, ça Vous par contre, on va pas s'entendre. êtes fidèle? Bien sûr. Non, vous n'êtes pas fidèle. Pourquoi vous dites Vous ça? n'êtes pas fidèle. Il n'y a pas d'homme fidèle. Hein? Si vous attendez l'homme fidèle qui viendra vous épouser, il n'y en aura pas. Donc, épousez votre homme. Ben écoutez, moi j'ai fait 10 ans avec un homme Et il et vous a puis jamais trompé. il m'a trompée, je l'ai quittée, voilà. Voilà, non, même pendant les 10 ans, il vous trompait tout le temps parce qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Bon, si vous êtes jalouse, vous n'allez jamais vous en sortir dans la vie. Vous comprenez? Je suis pas d'accord, monsieur. Vous n'êtes pas d'accord de quoi? Je dis, il n'y a pas d'homme fidèle. Il n'y a pas d'être humain. Il n'y a pas d'être parfait. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Abraham n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Paul n'était pas parfait. Pierre n'était pas parfait. Elle est partie. C'est ça. Vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Vous aimez... Attendez Jésus-Christ, il viendra vous épouser, madame. La magie, hein. Allô? Allô? L'enfant de Dieu. Monsieur Longuet, Bonsoir, l'opérateur. monsieur. Je peux intervenir sur le direct? Vous êtes en direct, hein? Ah, d'accord. Bon, tout d'abord, tiens d'abord à me présenter. Hein. Je suis d'origine, comme je vous ai dit, Gabonais. C'est bien du Gabon, mais je vis en France. Je vis en France et puis
je suis un de vos fans, monsieur Longuet. Vous êtes un monument pour la musique. Vous êtes un ambassadeur pour l'éco-social. Personne n'est parfait, nul n'est parfait. Merci. Mais nous, on retient ce que vous avez apporté. C'est ça le but dans la vie. On retient ce que vous avez apporté pour la musique. Même en tant que Gabonais, je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. En tant que Gabonais, je me rappelle, quand j'assistais à des mariages, des parents et tout, c'était si vous voulez, c'était tous vos morceaux qu'on écoutait. Je vous dis, il y a des sons comme mes vrais amis, etc. Ne citez que ça. Mais je vous dis, Longuet, votre message, vous êtes un visionnaire depuis longtemps. Et vous avez des fans sans le savoir. Moi, je vous dis honnêtement, je me suis connecté, j'ai vu votre direct et je me suis dit, bon, ça y est, je vais un peu intervenir. Merci. Mais, monsieur Longuet, vous êtes, comme je vous dis, vous êtes vraiment un visionnaire. Mais j'avais deux questions rapidement à vous poser, je ne sais pas si c'était possible. Allez-y. D'accord, c'était, monsieur Longuet, vous êtes un artiste. Moi, je pense même que quand vous faites même un direct comme ça, la caméra, vous ne devez plus jamais attraper par exemple la caméra. Donc, est-ce que vous misez vraiment sur votre image, sur l'image que vous pourrez avoir? Parce que vous avez beaucoup de fans, monsieur Longuet, je vous le dis. Votre page peut avoir plus de 200 000 abonnés parce que vous êtes suivi dans le monde. Moi, je vous le dis honnêtement, en toute franchise. Est-ce que vous pensez vraiment à faire en sorte que votre page soit un peu plus professionnelle? La première question. Et la deuxième, c'était, bon, j'ai aussi vu, parce que vous êtes ambassadeur des causes sociales. Et est-ce que vous avez pensé à créer aussi une page pour AIAOO? Parce que, ce qui est sûr, vous savez, les gens vous aiment, les gens vont aimer AIAOO, comme les gens peuvent aimer AIAOO et ne pas vous aimer. Vous savez, il y a toujours des gens comme ça, des connards, mais le plus important, c'est aussi de rendre aussi sa page un peu professionnelle. Essayer d'être de l'avant, quoi, pour aussi créer une fanbase. Donc, est-ce que vous pensez à concrétiser vraiment sur vos pages, quoi? Alors, très bonne question. Hein. Et vraiment, on a besoin de ce genre d'intervention parce que ça avance la société. Voilà, les autres qui appellent pour raconter des conneries, dites n'importe quoi, là, vraiment, ça n'avance pas la société. Le Gabon, c'est le Gabon qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je vais vous raconter. Quand je commençais la musique, mon idole, c'était Solomona. Ensuite, Ndedi Dibango. Roméo Dika. Mais quand j'ai découvert Ilarongema, il a bouleversé ma vie. J'ai dit, je veux faire ce style, je veux ressembler à ce monsieur. Et du coup, dans des cabarets, je ne chantais que Conjoncture, le sida, Quand l'homme est content. Voilà, ça dit rien que les chansons du maestro Ilarongema. Et c'est à partir de si j'avais fait des grandes études de langue française, comme cela, c'est quoi du Sénégal, je serais peut-être que j'ai composé d'abord. Que j'ai composé Zéro Mort et Ayo Africa. C'est dans la même mélodie, dans le même rythme et les mêmes notes. Donc je dois tout. C'est le Gabon qui a fait de Longuet Longuet ce que Longuet Longuet est aujourd'hui. Vous comprenez? Et voilà, à ce qu'il s'agit, la page professionnelle, je viens de créer une page monétisée. Dieu merci, parce qu'apparemment pour que la page soit monétisée, il faut c'est 1000 abonnés ou c'est 1000 quoi. Et avec le clip d'Aïe, c'est allé vite. C'est déjà monétisable. Et apparemment, YouTube doit d'abord m'envoyer un message. Vous comprenez? Voilà, YouTube, tant que YouTube ne t'envoie pas un message, tu ne peux pas monétiser ta page. Voilà. Mais beaucoup ne connaissent pas beaucoup, mais disent non, c'est déjà monétisable. Il faut juste taper ici, il faut faire comme ça. Non, 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 non.
c'est pas comme ça. En tout cas, je pense que, parce que, bon, désolé de vous interrompre, j'ai vu dans, j'ai vu le clip de Ayi Aoro, il y a déjà plus de 100 000 vues en moins d'une semaine. Mm-hmm. C'est fort. Très fort. C'est fort. Et par exemple, si la page était déjà monétisée, c'est clair que YouTube devait déjà vous payer. Voilà. Donc, c'est que c'est pas encore le cas. Donc, voilà. Vraiment. Il y a quelqu'un qui appelle de Londres. Il faut que, par certains peu, je finis. Je crois que ceci est important. Et maintenant, AI a pris déjà dans les réseaux sociaux, ça a pris, mais il faut maintenant que ça passe dans les télévisions locales. Et là, je dois payer Equinox, je dois payer Canal 2, je dois payer CRTV. Ouais, et il faut payer au moins 3 mois de promotion minimum pour que ça prenne localement, que ça prenne au pays. Il faut que ça joue pendant 3 mois à Canal 2. Pendant 3 mois à Canal 2, ça, Clipbox, ou c'est le Zip Promo, c'est 250 000 par mois. Donc 3 mois, ça fait 750 000. Equinox, c'est combien? C'est 150 000 par mois. 3 mois, ça fait 450 000. 450 000. CIA TV, c'est 250 000 par mois. 3 mois, ça fait 750 000. Alors, quand on calcule, 750 000 CIA TV, 750 000 Canal 2, ça fait combien? Ça fait 1 million 5. 450 000, ça fait 1 million 950 000. 900, faut, bon, on va dire 2 millions. 2 millions. Qu'il faut pour que le clip de AI passe dans les télévisions locales. Vous comprenez? Et ce qui m'énerve, c'est que cette télévision passe le temps à diffuser les Fali Poupa qui n'ont jamais payé la promotion. Qui passe les Yemi à la les étrangers qui ne payent jamais. Voilà pourquoi depuis un moment, les gens disent que non, est-ce que tu passes encore dans une télé? On m'invite tous les jours dans les télés, mais je dis, vous me payez combien? Ah, parce que vous ne passez plus dans les télés, hein, monsieur Anguet, on a remarqué ça. Je ne passe, quand on m'invite, écoutez-moi, quand on m'invite, parce que je sais que quand ils vont m'inviter, ils vont me faire une interview, après ils vont mettre sur Facebook, ils ont des pages monétisées, ils vont gagner de l'argent sur moi. Même quand je passe à la télé déjà, l'émission est sponsorisée. La dernière émission, c'était avec M. Niak de la CIA TV. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois il négocie avec moi depuis que ce buzz est arrivé, qu'il veut me prendre dans son émission. J'ai dit non, il faut me payer. Parce que vous êtes payé. Vous êtes payé. Donc je ne passe plus à la télé parce que je me dis, je passe à la télé, je gagne quoi? Je gagne plus en passant comme je passe là. Vous comprenez? Exact, parce que oui, parce qu'en passant par la télé, on mange sur vous. C'est simple. À 100%, les artistes camerounais sont bêtes. On les appelle pour les émissions, ils courent. Ils courent. Moi, j'ai été contacté pour une émission le 21 juin, live, et qui sera diffusée dans une chaîne de la place. J'ai dit, je veux minimum 500 000. Et la personne dit, ce n'est pas un concert. Je sais que ce n'est pas un concert. Mais Longuet Longuet, c'est un produit. C'est un produit. Prendre Longuet Longuet dans votre émission, il faut me payer. Si vous ne me payez pas, Facebook est là, j'allume ma page et je parle le monde entier, m'écoute. La preuve. Je pense que c'est mieux. Hein. Je pense que c'est oui, mieux. Donc les gens qui disent, que, est-ce que tu passes en... si je veux passer à la télé à partir de demain. Hein? Vous oui, comprenez? Mais après, je pense que les retombées, c'est que votre passage là-bas, vous n'en bénéficierez que, on va dire, 20% de ce que vous, alors que vous devez mériter plus. Non, vous ne bénéficiez, écoutez-moi, je ne bénéficie rien parce que je n'ai pas besoin de télé. C'est eux qui ont besoin de moi. Vous comprenez? C'est eux. D'accord. Si je veux passer un message, Nessa, voilà, ici, ça va même plus vite que la télé. En une seconde, oui. Tout le monde m'écoute. Vous comprenez? Voilà. La prolifération de écoutez-moi. Des sociaux, aujourd'hui a pris le dessus. Écoutez-moi bien. Moi, je ne sais pas mentir. J'ai été contacté pour l'émission Catapus, présentée par Solange Odjon.
J'ai dit, Solange, tu me donnes 1 million. Tu peux prendre qui tu veux, les chalotes du panda, les qui. Moi, pour me prendre, moi, longueur, longueur, tu me payes. Vous comprenez? Je ne sais pas mentir, je parle en direct, j'appelle son nom. Et elle vous dira pas le contraire, que oui, il m'a demandé l'argent. Bruno Bidjan, le directeur de Vision 4. Ça fait combien de temps il m'appelle? Je dis, je veux 2 millions. Je ne rêve plus, j'ai 20 ans de carrière. Il me dit, je vais faire une grande émission avec toi. Je dis, tu me payes. Parce que vous, les sponsors, vous payez. Pour que mon clip passe chez vous, moi, je vous paye. Mais pourquoi quand vous me prenez dans vos émissions, vous ne me payez pas, vous ne voulez pas me payer? Donc c'est vous qui devez rouler avec les voitures de 100 millions. Et nous, on marche à pied. Les artistes camerounais n'ont rien compris. Et on vous dira que longue, longue, il dérange, longue, longue, je m'en bats les couilles. Vous comprenez? Exactement. On n'aime pas les hommes vrais comme longue, longue fait là. J'ai dit, Bruno, il est vivant. Il est vivant. Il est le directeur actuel de Vision 4. De Vision 4, je pense. Ouais. Il m'a appelé. Il veut me prendre dans son émission. J'ai dit, je veux 2 millions. On doit apprendre à payer les artistes pour passer dans des émissions. Maintenant, les artistes, pour quoi, qui se disent que non, j'ai besoin de. Moi, je n'ai plus besoin d'une télé. La télé qui veut jouer longue, longue, joue longue, longue. Vous comprenez? Mais pour que je passe dans une émission, maintenant, on doit me payer. Puisque moi, je paye. Vous comprenez? C'est vrai. Vous dépensez beaucoup, hein? Non. Mais je vous. À la preuve, voilà le clip d'Aï. Si je m'avais donné Equinox, ils ne vont pas jouer. Tant que je ne paye pas. Vous comprenez? Si je prends le clip, je m'en vais à Canal 2 donner, ils ne vont pas jouer tant que je ne paye pas. Je donne à la CIA TV. Mais donc, mais monsieur Angué, désolé de vous couper, mais monsieur Angué, mais donc en fait c'est un système pourri. Donc rien ne marche, donc les droits d'auteur ne comptent pas. Rien. Je dis que si je prends le clip de AI, je m'en vais donner à la CIA TV, maintenant ils ne vont pas jouer tant que je n'ai pas payé. Vous comprenez? Pourquoi ils doivent me prendre dans les émissions, ils ne me payent pas? Donc, ceux qui sont, ceux qui ne connaissent rien, ou qui sont de mauvaise foi, diront que tu passes encore à la télé, mon frère. Je n'ai plus besoin de télé. Et si, quand tu tiens ce genre de discours, ce genre de position, ils ne vont jamais t'aimer. Parce qu'eux, ils ont toujours eu que quoi? Ils exploitent les artistes, c'est exploité. Parce que, oui, allô, monsieur tel, on a besoin de vous dans notre émission. Ils courent, ils viennent, ils passent. Ils se vantent que je suis passé dans telle télé. Je ne suis plus à ce niveau, je ne rêve plus. Hein? La preuve. C'est pas 4 ans de carrière. Voilà le tubo, il passe par la télé, mais il vend et il est numéro 1. Hein? Ouais. Il ne fait pas des interviews, non? Non, pas de tout. Hein. Voilà. Il ne va pas dans le plateau. Voilà. Il vient de me reprendre en vente. Hein. Voilà. Il ne passe pas. Parce que dès que je passe là, ils vont prendre, ils vont mettre sur Facebook. Dans les pages monétisées, ils vont gagner l'argent. Moi, je n'ai rien gagné. Vous comprenez? Voilà, donc les gens peuvent ne pas m'aimer parce que je tiens ce genre de discours. Parce que, voilà, les gens vont appeler Solange, tout de suite que Solange, on va dire qu'il t'a demandé 1 million. J'ai dit oui, allez lui dire, j'ai demandé 1 million. Dites vous parlez toujours avec preuve, hein, parce que vous dites toujours les noms et c'est les. J'ai dit Andy, est-ce que je ne vais pas saboter? Ce n'est pas le sabotage. J'ai dit que pour que je, ils sont vivants. Ils sont vivants. Tous ces gens sont vivants. Même certains animateurs vont vous dire que c'est vrai. Longue, depuis 1 an, je l'appelle, il me demande l'argent. Moi, je ne passe plus. Je ne passe plus. Mais je suis sûr que je prends mes valises, je m'en vais tout de suite au Bénin, je vais travailler l'argent. Je prends mes valises, je m'en vais en Centrafrique, je vais travailler. Je prends mes valises, je m'en vais au Gabon. Côte d'Ivoire, hein. Au Gabon, Côte d'Ivoire, partout, je vais travailler. Donc je suis là pour quelques temps. Je suis là, j'ai un projet, le temps de finaliser tout ça. Hein, les papiers de mon terrain, tout, que je sois sûr que tout est bouclé. Bam! Maintenant, je dis ok. Parce que c'est le plus important. Hein? Donc, le plus important, ce n'est pas d'acheter les grosses voitures, rouler avec, non. C'est important, les voitures. Hein? C'est important. Parce que l'artiste, c'est sa prestance. Hein?
Hein, mon frère, bon, il y a beaucoup de gens qui appellent. Restez connectés, hein, suivez-nous. Hein. Il y a des gens qui veulent intervenir depuis. Il y a quelqu'un qui appelait de Londres. Je vais le prendre quand même parce qu'il a beaucoup insisté. Voilà. Ah, je crois que c'est une dame. Hein. Apprenez à payer les artistes pour qu'ils passent dans vos émissions. Longuet est là pour libérer les artistes. Les artistes sont dit que Longuet dérange. Tant mieux, c'est des lâches. C'est des lâches. Attends, monsieur. Ok, j'ai vu, vous avez rappelé encore. Alors, j'ai vu, vous avez rappelé encore. Alors? Alors? Non, n'appelez pas là-bas, appelez sur ce numéro. Il y a un numéro qui est affiché là, s'il vous plaît. Appelez sur le numéro là, n'appelez pas ici. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Je sais pas si c'est la méga. Ne quittez pas. Je croyais que c'était un ami. Je croyais que c'était un ami. Oh. Quand c'était un ennemi, il marchait avec moi tous les jours. Pourtant, c'était un Judas. Pourquoi tu suces la main, gros? Tu vois les gens faire les directs en fumant la cigarette. Le cigare les a pourri tout le cœur. Le cigare les a pourri. Donc il faut 2 millions pour que le clip d'Aïe passe dans les chaînes locales ici. 2 millions. Il faut 2 millions pour que le cri d'Aïe passe. Allô?
n'aime pas les pareils profils. Hein. Quand quelqu'un met un chat comme ça sur son profil, je n'aime pas les pareils profils. Parce que j'ai des profils, ça. Allô? Je la connais. Ouais. Grand longueur officiel, s'il te plaît, il y a un enfant qui est en train de mourir à Kribi. Il s'appelle Jérémy. Je suis sûr que si vous intervenez, ça amènera dans le pont. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? La sorcellerie, les gens ont commencé la sorcellerie sur la connexion. Hein? Allô? Ça, c'est le carbone, peut-être, je sais pas. Allô? Mais, je sais pas. Ça ne passe pas. Il y a un problème là.
Ok, mon frère du Gabon, il écrit, j'aimerais contribuer pour le clip de Haï, 200 euros. Ok, alors je vous donne un... Vous êtes connecté, si vous êtes connecté, envoyez-moi un message. Parce que là, je ne sais pas, la connexion dérange. Envoyez-moi un message. Si vous êtes connecté, envoyez-moi un message, je vous envoie le nom. En tout cas, je vous envoie ça. Voilà, parce qu'il faut l'argent pour qu'il passe dans les chaînes locales. Il faut l'argent. C'est ça. Il y a une Gabonaise qui est malade en Côte d'Ivoire. Et je devrais aller en Côte d'Ivoire la rencontrer parce qu'il faut 15 millions. C'est 15 000 euros, 15 millions. Elle est très souffrante. Donc, je vous ai envoyé le nom. Elle est très souffrante. D'accord, je vais éteindre le téléphone. Donc, il faut 2 millions pour que le clip d'Haï passe dans nos chaînes locales. Il faut 2 millions. Vous ne pouvez pas voir la télé. Vous prenez les hommes politiques qui viennent animer la télé. La télé se fait des millions. Est-ce que vous payez ces hommes politiques-là? Ne les payez pas. Moi, je ne suis plus à ce niveau. Je devais payer des gens comme les Messanga Nyambi qui passent dans les télés pour parler les Elimbi Lobé. On devrait payer Elimbi Lobé pour venir passer à la télé. Oui. Parce que quand ils passent, les gens regardent. C'est ça. Bon, j'ai réallumé. Donc, essayez d'appeler. Essayez d'appeler rapidement, on voit. Attendez. Voilà, oui. Attendez un peu. La télé est dans mes yeux. Il faut que je pousse un peu ça derrière. Bon. La caméra est trop collée. Après, ça fait mon visage songe dans le direct. Ça, c'est la photo où je suis avec Samuel et tout de Roger Mila en 2010. Voilà, quelqu'un qui appelle. Allô? Allô?
Vous ne parlez pas. Voilà. Non, Réa ou Western, il n'y a pas de souci. Ça va aller. Donc, il faut 2 millions pour que le clip d'Aïe passe dans nos télévisions locales. Alors, si j'ajoute Vision 4, ça veut dire qu'il faut 2 500 000. Si j'ajoute Vision 4, parce que là, on a compté Canal 2 et Equinox. Canal 2 Equinox et CRTV. Il faut les payer. On ne donne pas le vrai. Alors, il y a quelqu'un qui insiste, il faut que j'aide cet enfant. L'enfant est à Kribi. Alors, moi je vais quitter ici, je m'en vais à Kribi comment? Hein? Des gens m'ont appelé de l'Allemagne, oui, Longueuil, il y en a.